Ci becchiamo nel bando, sopra il booster. Hanno fatture, no, non parlo di buste. Mando tutto io, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo. Qu'est-ce qui est en train de se passer là, Loa? Là, on est en mode flocage manuel. Attends, je suis en train de faire quoi? Le flocage manuel de sacs de braderie. Parce qu'on n'a plus de sac et qu'on va se faire dévaliser demain et après-demain à la braderie, au bradate. Ok, ça va ramener une grosse kiste de sac et un graffeur performant. Des petites pancartes pour le Brad Day. 5€ 5€ pour le Brad Day, donc la préparation intense de Brad Day. Par ici, ça a Price. Par ici, ça a Tri, ça a Maison Cintre. Voilà. Ok. Et par ici, bah, ça c'est moi qui vends, donc ça n'a rien à voir avec le Brad Day. Ok, donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça va être un des bacs à 1€, pardon, qui va finir ici. Et on est en train d'aménager le. Comment ça s'appelle? L'espace pour la braderie. Parce que demain, émeute. Émeute, c'est le nouveau nom de la braderie. Hop, ça va dans le frigo. Miam. Des super. Les coréens. Pétillant à la fraise. Miam. Voilà, hop. Grande innovation de ce Brad Day, on est en train d'installer la malle à 1€. Alors. Réaménager les trucs, on a mis les stocks de braderie, on a coiffé d'autres, trié les bails. Bon, là comme ça, on dirait que je me bats dans le shop comme d'habitude, mais non, demain, des images officielles de comment on appelle ça, la foule en délire. Matin du Brad Day, dernier préparatif en cours, dernier préparatif. Ouais, on a juste les trucs, on contient la foule. C'est terrible, en vrai, il faudra qu'on aille voir tout à l'heure, mais ouais, là, vous voyez, plein de pieds, il y a un mec, il est assis. Faut clairement qu'avant Renaud, il y a quelqu'un qui a pas permission de faire des photos de la queue, des vidéos de la queue. C'est pas moi, voilà, j'ai dit. C'est John. Ça filme, vas-y, balte un petit pas des années 80 ou pas. Ok. Voilà. Jérémy, jamais vu, t'es pas de danse encore, hein. Moi je danse pas, moi, je t'ai dit. Je l'ai juste vu en photo, il était dans un mood en mode très très bien, genre, sous lumière rouge. C'était soirée, ça fait un day, je sais. Maintenant, il est temps de les voir la queue qu'il y a en bas. Ah ouais, je sors. Donc voilà, chez Sapin Vintage, un peu les queues chez Sapin Vintage. Voilà, regardez-moi ça. Il est 10h combien? Wouah, il est 10h... Oh, n'importe quoi. Vous êtes arrivé en premier, non? Oui. Vous êtes arrivé à quelle heure? 10h. 10h? Je te pose là, ouais, là on a besoin de toujours plus de monnaie. On voit toutes tes pièces, John. Toutes tes billets de 5. Donc là, c'est la sacoche personnelle de Jérémy, je vous présente, voilà. Ça prend les pièces rouges. Le délire. Quoi? Ouais, ça coûte. Après les travaux, et je suis choquée. Je suis choquée en fait. À ce que tout à l'heure, il y a un mec qui a dit ouais, on va faire genre, on connaît quelqu'un dans la queue, etc. pour gruger, genre. C'est grave, c'est très grave. Y'a pas de ça. Si c'est le palacio. Si c'est le palacio. Loa Cabine, résumé, Océane, aujourd'hui, c'est quoi ton taf, Loa Cabine? Exactement. De toute façon, moi, je vais pas. On a du Actimel pétillant. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est particulier. Il y a des gens qui. Moi, le peu de personnes qui ont goûté devant moi me disaient en mode waouh, incroyable, c'est du Actimel pétillant, du top pétillant. Du yop, pardon, pas du top. Vous voyez le médicament pour la toux ou pas?
qu'on met dans la gorge quand on est petit avec les petites pipettes. Les grosses pipettes. Ah non, ça c'est dégueulasse, ça, bah, ça me donne envie de vomir. Non, je suis pas d'accord. Que c'est ça. Du coup, je vais ouvrir, on fait entrer 15 personnes pour l'instant. Quoi? Non, c'est. Ouais, c'est la tout les coups de vibe, t'as compris. Ok, c'est bon, vas-y, j'ouvre, c'est bon. Bienvenue. 1, 2, 1. Mise à jour, j'ai dit que la queue était terminée, mais en fait 5 minutes après, regardez, j'ai menti en fait. Ok, on est au cœur de la réserve en plein Brad Day. Attends, waouh, c'était mal cadré. On est au cœur de la réserve en plein Brad Day. On est en train de restock, full up de trucs parce que la foule est en délire et on a besoin de plus de stock sur Cintre. Donc voilà, tout simplement, ça bombarde vu que. Ouais, je crois que c'est la guerre là, je crois que c'est la guerre. On a engagé des soldats pour créer des pièces carrément, tu vois. Que ça soit une émeute. Il est 19h09 et il y a toujours du monde, genre. Toujours du monde, on continue. Là, il y a John qui danse en plein milieu. Ok. Mais. Pourquoi cette danse, gros? Je sais pas ce que c'est, mais c'est une danse. Elle est grave nulle. Ah, non, je rigole. Ah, vas-y, maintenant, on regarde. Oh! Ça part en fight, battle. Battle au milieu du shop, je pense qu'il perd. C'est mort. Et je vais faire un truc où. Tu sais, je vais faire un saut sur le côté, genre. Attends. Là, ça fait des roues, là. Ok, j'ai mon dos. Mais pas dans ce sens-là, Fais-le sur le dance floor, j'ai mon dos. Comment? Pour moi, faut que tu fasses. Ouais, c'est pas là. Mais déjà, pour moi, t'es droitier, faut que tu. Te mettre dans ce sens là, dans mon sens là, comme je suis, et que tu fasses comme ça, tu vois. Non, mais en vrai, non, l'instant. Je le fais comme je suis confort, tu vois. Vas-y, on va faire le test. Mets tes deux pieds collés. Non, mais non, faut que coller. Je fasse comme je le sens. Attends, mais ça, on fait un test d'abord. Ok. Mais là, tu théorises trop le truc là. Ok, faut que tu parles du pied droit. Bon, je vais faire comme ça, je te jure. Là, je trouve ça horrible. Ouais, moi aussi, je suis. Vas-y. Ok, j'ai paniqué, le miroir à 50 balles, mais énorme. J'ai arrêté de respirer. J'ai eu très peur. Quelqu'un d'autre veut tester la roue ici? Mais j'avais pas du tout les jambes tendues. Je vais tester la roue. Pas grand chose en vrai. Non, en vrai ça allait. Non, mais t'étais très. Attends, mais mais c'est vrai que c'est genre le moment où t'es censé tendre les jambes. Bah, rationnellement, t'es en mode je vais les replier parce qu'il faut que je me.
2, 1. Vous êtes trop bizarre à faire la roue dans ce shop. Une énorme grenouille. Une énorme grenouille. Mais pas mal. Pas mal. Tu veux faire ta roue? Vas-y, Balt. Tu vas faire la roue, gros? Je suis trop chaud pour faire. Genre chauffer les gens à faire des roues et jamais en faire. Allez, Balt, fais une roue, wesh. Vas-y, je fais une roue. Voilà. Tu fais une roue? Vas-y, je fais une roue. Tu fais une roue, gros. Non, il va pas ça, c'est un comportement de mec qui va pas faire une roue. Il va faire une galipette, la vie de ma mère. Ok! Pourquoi je fais une roue? Belle roue, belle roue. Ah, Tuzbert, ok. Et toi, Mio, tu fais pas de roue? Pour rentrer chez moi, je rentre. Comment ça? Ah, mais c'est pas l'heure de rentrer. C'est l'heure, ah bon, c'est l'heure de faire la roue là. Non. Ah, tu vas rouler chez toi, tu veux je dire? Je vais rouler avec mon vélo. Mais ah, faire une roue, c'est. Mais je te jure, je ferais pas de roue. Déjà, moi, je savais même pas dans quel sens partir. Vas-y, non, mais tranquille, tu fais à l'instinct. À l'instinct. Comme ça? Ouais, vas-y, à l'instinct, t'inquiète. Allô? Non, jamais je fais de roue. Mais si, arrête. Allez, c'est impossible. Mais j'ai mine et une shonen, esprit shonen. Mais moi, ça m'intéresse pas ça. Bah, moi non plus, de base. Grosse merguez. Tu vois, de base, je me dis, rêver le matin. Énorme. Si, de base, je me réveille le matin, je me dis, si, je fais une roue. J'ai failli me chauffer, mais au final, je me suis déchauffé. Non. Peut-être dans quelques jours, dans quelques mois. Milo, déjà, je vous ai jamais montré. Ah, bah, dans ce logobi alors, tu l'as jamais montré. Non mais t'as jamais appris, j'ai pas appris. T'as jamais appris? Mais mec, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois. Mais déjà, elle veut quoi l'alliance des deux là devant moi? Non mais. Ok. Non. T'as vu que les gens elles étaient. Ouais. Ça c'est un move de mec qui est chaud au logomi. Je te jure, les mecs qui commencent. Ils font ça. Dès qu'il arrive, ils font comme ça. Ah oui, on mettra le lien, le truc que tu m'avais montré dans la fin, c'est incroyable. Coco, et c'est aide-soignant de danse 5 mai, il est en chemise grave large, énorme pantalon bagué, il arrive, il fait que des queues trucs, sa tête elle change, il sourit, il désourit. Enfin, il arrête de sourire et tout, il est incroyable, aide-soignant. C'est vrai, non mais j'ai vu, je suis d'accord. Soignant, maintenant il doit avoir 35 ans et avoir une vie responsable, mais j'aimerais trop voir qui est ce mec. Ah, de rien. Ouais, John, 7 plus 2. Si. Même dormir en fait. Mais je vois, John. Là, ce sont des gens faibles, vous voyez. J'ai déjà joué les bottes de Brad Day, je bégaye. Ils sont faibles, les gens. La Brad Day J2. Ouais, on va aller filmer devant. Que V2, que du deuxième jour. Beaucoup plus désorganisé, certes. Mais il y a quand même une queue incroyable. Moi je mets des petites stories et tout, tranquille, hein, y a pas beaucoup d'affaires à gérer, dur derrière nous, voilà. Il est 17h12, deuxième jour du Brad Day. Il y a toujours du monde en fait, ça ne s'arrête pas du tout. Et toi tu t'arrêtes des fois? Bah non, ça bosse, hein. C'est des pièces du coup. C'est bien. Le seul moment de calme, c'est maintenant, 17h40. Alors, John, ces deux jours de Brad Day, c'était comment? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Alors, c'était particulier, c'était lourd, il y a beaucoup de monde. 1000 personnes, non, bah, t'as 1600 sur les deux jours. Ouais, ça se voit. 1600 personnes en deux jours. Bah, on verra, mais pour l'instant. Là, on est à. Là, c'est. 166. 566, ouais, du coup, on a 600. Ouais. On a 1600 déjà en deux jours. Énorme. C'est énorme. Ça se voit. Hein. Il y a eu des sacs personnalisés. Sublime. Et on était en rap de sacs. Et ben, sublime, waouh. Des sacs à la main. Manufacturés. Ils sont tremblants. Il y en a certains, ils sont douteux. Hein, ouais, il y en a, ils sont douteux comme celui-là par exemple. Mais non, lui, il est stylé. Votez en commentaire, vous préférez lesquels sacs. Regardez ça. C'est quoi ça? Akatsuki. Akatsuki. Vous avez vu ça ou pas? Waouh. Vous avez le sac, vous devenez ninja. Ensuite, on a. Pourquoi tu fais les présentations des sacs? Ils sont partis dans 10 minutes. Il est vrai. Laisse les sacs tranquilles. Vous avez raté les meilleurs, il y avait Batman, Sonic. Ils viendront au prochain Brad Day. Donc voilà, viendront au prochain Brad Day. Et aussi, il y a le fait que je suis en train de mourir aussi. Vous voyez? Non, mais ça c'est accessoire. Vous entendez ma voix? Je suis fuck. C'est le meilleur plan de tout le vlog, mec. Bon, pendant que moi j'étais au charbon à la caisse, aujourd'hui derrière dans la réserve ils ont rangé. Ils ont fait un réaménagement. Vous avez fait un réaménagement, c'est comment là? C'est ici que c'est le problème. Bah là, on avait constaté que dans le lieu de passage, on n'avait jamais un passé alors que c'était une zone de passage. Coup, non, c'est faux, c'est mon idée d'avoir mis le bureau là-bas. Ah, les chaises. Qui a aménagé tout ça? Oui, mais c'est sous mes directives.
Ok, et du coup, il se passe quoi là-bas? Il y a un petit coin de bureau? Ouais. Stylé. Je vais y aller, je suis sûr. Allez, allez. Oh, vas-y. À demain, les. Bisous. À demain. Waouh. Wow. Oh. Bon, je suis dans le nouveau coin bureau de la réserve. J'ai un énorme front, putain, c'est horrible. Là, on est en train de recentrer, re-ranger, de défaire le bradeil et de refaire la boutique. Putain, il fait chaud ici. Et du coup, voilà, travail intense. On a dû fermer en avance parce qu'il n'y avait plus rien dans les rayons et qu'on avait énormément de travail pour remettre la boutique en forme et tout et tout. Ok, on est en train de se barrer, de se casser. C'est bon, on a assez donné. C'est bon, c'est du deuxième jour de Bradley. Il y aura encore un peu de rangement, d'aménagement à faire demain. Mais ça y est, c'est un plaisir de me balader dans cette réserve. Je sais pas si vous voyez, mais genre... Après c'est débile, je suis en train de marcher dans une réserve, mais ça me remplit de joie. Genre vraiment, elle est extrêmement bien rangée. Et le shop est encore en réaménagement. Mais on a terminé, ça a été 2 jours hyper intense, mais incroyable, genre vraiment incroyable, trop bien. Merci à tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo et qui sont passés le 27, non, 26 et 27 ou 27 et 28, 27 et 28, non, c'était quoi, 27 et 28, bon bref, tous ceux qui sont passés pendant ce troisième Brad Day, c'était incroyable. Vous avez été hyper nombreux, hyper déter, et ça a été trop plaisir. Donc merci, vous inquiétez pas, on va pas arrêter les Brad Day. Vous êtes trop bien, vous êtes j'ai plus les mots, je bégaye totalement. Désolé à tous les gens à qui j'ai dit n'importe quoi pendant les 2 jours. Mais en tout cas voilà, merci beaucoup, énorme bisous.